Rebonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ah la famille, je suis dépassé ce soir. Je viens de vous tomber sur une vidéo de soi-disant supporters des putschistes. Mais incroyable, mais vrai. Néré Kalongo, il y a de ces gens, ils veulent même pas, ils veulent pas apprendre. C'est en Bambara. Je vais vous faire écouter. Après, je vais développer. Ça dit, Koufindo, quelqu'un qui vient te parler, lui-même il ne sait pas, toi aussi, il vient pour t'informer. Koufinfla, écoutez, hein. Non. Écoutez, hein. Partagez. Écoutez. Voilà, on t'a inventé quoi. Voilà, à la café, on dirait. Mais là, il y a quelqu'un d'autre qui boit, moi, quoi. Écoutez, hein. Donc, urgence, le dernier classement de l'armée la plus puissante au monde, fait de la part de Global Firepower, vient de tomber aujourd'hui. Beaucoup de surprises, beaucoup de. Écoutez, hein, que le classement des armées les plus puissantes au monde. Écoutez, hein, quand il va finir de parler là, moi je vais dire seulement quelques mots seulement, vous allez comprendre. Oui, beaucoup de surprises et beaucoup de rebondissements. Beaucoup de rebondissements. Précisément en Afrique, en métaphore finalement, Beaucoup de voilà. rebondissements. En Afrique, le classement, précisément l'Afrique de l'Ouest, le dernier classement, le début de 2023 était classement de l'armée de l'Afrique de l'Ouest, fait de la part Afrique de de l'Ouest. Global Firepower. Mali était deuxième, Nigeria premier, Ghana troisième. Mais il y a eu vraiment un virage inattendu. Mali qui se trouve en guerre est aujourd'hui première armée puissante en Afrique de l'Ouest, loin devant le Nigeria. Nigeria devient deuxième. Mali premier. Ghana troisième. Niger quatrième. Mais nous, on est à Niger. Niger est quatrième armée puissante de l'Afrique de l'Ouest. C'est aujourd'hui, ce n'est pas moi, c'est Global Firepower. C'est Global Firepower, parce que l'Amérique a une agence de l'eau. Autant faire. Bon. Aou yere be mwa menou kumakan. Memou kat tou babukan. Aou yere yam. Ko olu bisigi. Ko city de Yafo. Que les armées les plus puissantes, Afrique de l'Ouest, que Mali premier, hein? Que Nigeria est deuxième, que Ghana troisième, que Niger quatrième. Au bas, c'est qui comme manamana moro kakumasuya menu la main. Mon armée, Mali va fabriquer. Warimungo Mali brokat le Sénégal coca. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent s'asseoir. Wali Mbe Mali Boro, Mali économie. Atimina Sénégal Tala. Mali économie. Atimina Côte d'Ivoire Tala. Mali économie. Atimina Niger Tala. Mali économie. Même la Guinée. Atimina la Guinée Tala. Mali économie. Atimina Ghana Tala. Au bau shigite kamana Que l'armée, la montée en puissance, voilà l'armée la plus puissante de l'Afrique de l'Ouest, comme Mali. Au Cameroun, vous ne pouvez même pas lutter. Une armée la plus puissante en Afrique est aujourd'hui pris, c'est-à-dire deux tiers de ce pays. Mais Koufi Souya, nous ne voulons pas. Mouroun Yakoro, on est bec journaliste. Ou bien, écoutez. Sénateur,
Ah, frère. C'est pourquoi j'ai dit l'avènement des réseaux sociaux est devenu... Hein? Non, 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 c'est pour dire que je suis tombé là-dessus. Il faut rééduquer les gens. Il faut que les gens soient morts. Ils sont 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 morts. Ils vont donner des nouvelles. Malik, ce n'est pas un manque de respect. Au calon, Malik a économie. Si c'est le Malik qui fabriquait, mais c'est qu'avant, non, franchement, voilà, c'est une armée puissante. Mais où va ça? Où est-ce que l'économie termine à Sénégal? Où est-ce que l'économie termine à ces pays-là? Vous allez vous asseoir, car comment Baba Foye. Bon, nous, on n'est pas là-bas. Partagez, je vais vous faire. Moi, là, ce qui m'intéresse, vous allez écouter ce qui est important. Voilà. Quel honneur de sa présence dans ce studio, mesdames et messieurs. Bon. Mais juste après cet élément thématique. Suivant. Écoutez. Hein. Est déjà bien sûr reconnu. Il s'appelle Félix Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, 300 000 km², 4 millions d'habitants. Nous avions quitté Abidjan la veille, laissant derrière nous une capitale orgueilleuse de son développement spectaculaire, dissimulant à peine une insolence de parvenu. Une capitale vitrine, mais dont les glaces ne reflètent que les images déformées d'un pays dont la terre constitue la véritable richesse. Aujourd'hui, le président Félix Houphouët-Boigny est un modèle pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, c'est vrai que nous, on était encore très jeunes. Mais à partir de ses œuvres, on découvre la qualité de l'homme. Aujourd'hui, c'est un modèle. On sent une sagesse à travers ses écrits. On a l'impression qu'il est philosophe, qu'il est mathématicien. En tout cas, c'est un homme extraordinaire. Un homme extraordinaire. Vous voyez, en tant qu'historien, c'est avec le temps on se rend compte que le président Houphouët-Boigny était un peu en avance dans sa vision du monde par rapport à ses contemporains. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, qu'est-ce 40 ans dans la vie des peuples quand le monde compte des milliards d'années d'existence? Nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Quand nous aurons à discuter en ce temps-là, quand ils auront à discuter en ce temps-là du coût de l'acier, non pas de minerai de fer, bien alors, il y aura un langage qui sera compris, le langage de l'intérêt commun. Voilà, sur le sujet, on ne le comprenait pas souvent. Ne veux le faire, Mbade Ounyaneo. Wallahi, ka au signito, ka au signito, kuma bafola, ka au signito manamana kamfola. Wallahi, aga jamana teke fouchli. Aga jamana teke fouchli. Aujourd'hui, vous êtes en train de crier. Djoumambe Mali, bro. L'économie du Mali est étouffée aujourd'hui. L'économie du Burkina est étouffée aujourd'hui. L'économie du Niger est étouffée aujourd'hui. De quoi vous parlez? Kereni, Nakela, ils sont des perdants. Foy Tau, bro. Foy Tau, bro. Agnabe Nerekuru, nous nassissons. Les autres là, ou nous, kaf, moyen logistique, ou bas béti, ainsi c'est. Foy Tebala. Foy Tebala. Ou comment vous faites, Aounyane, vous n'arrivez pas à comprendre. Quand tu dis un mot, deux mots, ils viennent. Ou va que banani ni faneni nous fait ouye. On y a fa ouye. On n'est pas contre le Mali. Mais si vous pensez que votre Mali, là, les gens sont assimou, à les moyens d'aller aider le Niger. Nous-mêmes, c'est ce qu'on veut. Les poutistes, là, ils n'ont qu'à se réunir en association. Que l'action militaire s'applique. Vous allez voir tout de suite, là. C'est d'autres qui vont prendre le pays à leur place. Vous pensez que les gens là, ils sont forts? Si Assimou était fort depuis longtemps, le Mali, comme les idiots vont s'asseoir pour raconter que non, c'est l'armée la plus puissante en Afrique de l'Ouest. Armée la plus puissante. Non, de qui vous vous moquez? Aouyerema, que monter en puissance de l'armée. Toi qui parles, moi, si t'es Mali compte, Ahmed Tien, il faut Aouyene. Malendo, mais comment souni-tireke? Hein? Personne ne doit dire quoi que ce soit aujourd'hui. Tu dis seulement tu es contre. C'est-à-dire vos idées bidons là.
L'autocritique, vous n'aimez pas. Vous êtes là, vous flanquez, vous insultez les autres. Matin, midi, soir. Mais l'autocritique. Malien de ou yere, minou be kouma kafo. Ah, en sagela, oba ou toro. Regardez Tunkara. Il s'assoit, on lui dit, mais vous n'avez pas fini avec le problème du Mali. Ah, ou t'as mouni Niger. Ah, non, non, non. Cela y va dans notre survie. De quelle survie? Ah, ou benaye, ah, ou nyana. Ou lou siginime. Poutichi ou kakouma kelao. Je me suis dit que je suis Niger. Je me suis dit que je suis Niger. Il faut que la CDAO soit Niger. Cette fois-ci, trop, c'est trop. Ni suis ni que je suis Niger. Je me suis dit que Niger. La djihadisme veut progresser. Au fait. Mali sera si bien que je suis Niger. Quand je Betty Souyani, qui est Niger, qui est Niger, le problème est en fait. Amanya sera là. Je me suis dit des illettrés comme ça, ou bah aussi du Kafoko, ou quand vous allez convaincre ces gens-là. Dites à vos poutistes là, ils n'ont qu'à aller. Ils n'ont qu'à aller. Vous, votre territoire, deux tiers est occupé par les poutistes. Vous, vous êtes forts, armés en puissance. Ah oui, moro ben, ah oui, c'est qu'à fausse qu'on va partir au Niger. Ils n'ont même pas honte. Toi, tu es en train de te battre avec quelqu'un, tu n'as pas fini avec ça. On dit ton voisin, et on veut venir frapper ton voisin. Eh, ala ka ankri nyuma di mokoma. Ala ka ankri nyuma di mokoma. Ala ka ankri nyuma di mokoma. Elle ni mokou we se la. Eh ma bao la fono. Toi ton voisin de l'autre côté là. On dit non, on va venir lui frapper. Eh ben, toi tu laisses ça pour aller. Ou bien, il kotige après. Eh kataka ou yoro la. Ça dit des gens comme ça quoi. L'armée la plus puissante en Afrique de l'Ouest. Aluka économie timina djeretala. L'armée va avec l'économie. Les équipements c'est renouvelable. Wari moy. Wari djumambe au boro ko au beseka munition au beta 65. Pam pam chien kere abana wari lebe bo. Une armée puissante, le pays économiquement est assis. Mais au bout aussi, armée puissante. Au bout à Tamro Fell, au bout à Dinefoy. Mais Mohamed Yeraba Daouma, lui il est en train de se chercher aujourd'hui en Ukraine. Moi, Koumfing, c'est-à-dire Koumfing Groupou, Kanakou aussi, Kono, Kouluka Dienlon, quoi. Koumfing Groupou, au Kamouno Dunia Kola, au Kamouno Économie Kola. Au bout aussi, armée la plus puissante. Aouka économie. Mourou toronime. Kongo mourou la. Soit si nous irons avec Tara. Fente ou rouboro. Aoubeni chigiko. Armée en puissance. Aoutena long. Faut comme. Nere. Ma ala dali. Solution kasoro. Mini kerete kiri. Nere ala dali. Sere au koni. Les médiateurs la trouvent une solution au problème. Mais des gens viennent s'asseoir pour raconter des conneries. Que notre armée. Vos pays aujourd'hui. Peine aujourd'hui à payer les fonctionnaires dans leur pays. Des endroits où il n'y a même pas d'école. Vous êtes complètement à terre. Qu'au armée. Armée zéro. Où est-ce que vous faites? Moi, où Diana Kouma, où est-ce que vous faites? Des propos pour vous plaire seulement. C'est ce que vous voulez entendre. Où est-ce que vous faites? Où est-ce que Non. Ils n'ont qu'à continuer. On ouvre Troya bla Mali coquin. Ka Uluto ou Kadabaya ni font là. Ouvre la Troya là c'est Malien ou le moins. Mais ni Malien de ou y'a qu'à ni miouri. Un petit groupe va se lever. Ka Aouka Djamana Kounke Djila. Pareil pour les autres. Des coups d'état inutiles. Ou même vous avez écouté ces idiots. Ouba Ushigi. Ouba Ushigi Aounia Koro. Et vous croyez à toutes ces bêtises. Hein? Au Bauchigi, Kam Manamana Kaname, Kono, Ko Côte d'Ivoire, Aéroport Ferelale, Ko Côte d'Ivoire, Ouka Palais Ferelale, Côte d'Ivoire, à quel temps? Mais à Bébé Côte d'Ivoire, Ko Sénégal, ta Ferelale, Sénégal s'est vendu, c'est rentré, c'est sorti, mais à Bébé Sénégal. Et les Sénégalais sont fiers de ça. Aouchiginime, Kouma Baba Fola.
Hein? Bon. Attendez, je vais montrer encore quelque chose. Ils vont dire encore que ça aussi c'est vendu. Just look for the mobile exclusive tag on thousands of hotels. Au lieu de travailler, non. Attendez. Hein. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La reprise des vols décidée hier jeudi se fait au petit trot. Dans ce hall de départ quasiment désert, Boisy Tano et son fils font partie des rares passagers. Leur destination, San Pedro. Je suis venu pour raison médicale avec mon fils. Et quand on a appris que les vols ont repris, j'ai opté pour la voie aérienne au retour. Voilà. Pour ce premier jour de reprise qui concerne uniquement les vols domestiques, la compagnie Air Côte d'Ivoire a réalisé deux vols à destination de Korogo et San Pedro, dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. Eux là, Oulouka Aéroport, vol national, a bien préparé, mais a aussi la ça aussi, c'est pour la France. Mal Ivoirien ou bébé Abidjan, kata Korogo, avion kono. Ou bébé Abidjan, kata San Pedro, avion kono. Aou chignibé tabaya la mou koro, manamana kamfo. Non. Moi, je me demande ces gens-là, wallahi, du moins, mena ke, hein? Aou bena botoroya la, ka auto kuma baba fola. Hein? Y a rien du tout. Fouite aou fe. Aou bau chigi. Baby, tout le monde est devenu journaliste. Tout le monde est devenu journaliste. Ka Oshigi. Ka Oudiana Kanfom Rounyene. Ah, Maliba. En vrai, Maliba, que la première puissance depuis Mali Blala. A tout ma quête, m'a cité au compte. Aou le rêve, aou le compte. Mais m'a rembe kouma. Hankini retala. Avec kouma m'fo, a ma sensilon. Mais avant, m'a rembe yene fana. Quoi avec information dit là? O tigi fana. O tanya yene fana. Ou bien information ou ta. Donc, à quel problème y est? Tiens, ou te en qui soro. Ni mouba fo ou yana ko première puissance. Première puissance. Marfa te d'lan ou fe. A keren te d'lan ou fe. Ou ba besane. Ni tara kreke yora a bebe ban. A wari bebo mini. A bebo ou le kou. Ou te en qui soro. Les armes dont eux y parlent. Ko Mali c'est la première puissance. Eh. Mouba me kere la morfa va aller le broke. Mais ni bola qui y a su yon obere, a dépensé avec un djeneko. A fin fait bébé, a bébé ba. Hein? C'est ce qu'ils ne comprennent pas, les gens là. Aujourd'hui, ce sont eux qui font la propagande. Ce sont eux qui font la propagande des poutistes. On leur dit, ça va aller, on va aller là-bas. Aou be kouma mire fo, aou ta mire. Aou be kouma mire fo. Vous ne réfléchissez même pas là-dessus. Aujourd'hui, le Burkina, économiquement, ils ont des problèmes. Le Niger, pareil. C'est pourquoi il y a des tensions dans nos pays. Vous allez venir qu'on en faire face. Mohamed, moi, je ne vais pas t'insulter. Mon éducation ne me permet pas de t'insulter. D'abord, tu portes le nom de notre prophète, Père, salut sur lui. Moi, je ne vais pas t'insulter. D'abord, c'est... Ton éducation, tu l'as ratée. Et tout le problème aujourd'hui, c'est l'éducation. L'éducation aujourd'hui. Tout ce problème-là que vous aviez, c'est l'éducation. On peut dire, je ne suis pas d'accord. Le comportement, d'Endoubé, ni au yé kenema, aoute, ou te seka ou nya ou yere kamro ou fale, ou ka éducation, mais ou para ou be mfo ou nyene, mais aouta, avec la ko gueule, la ko leba, aou ke fenyo, a ko fankatigi, aou ka lo konne monsieur Kumalo. Mais c'est quand ni faneni que matin du soir. Mais à conséquence, il venait le coca. Ne le cap famille ben fo. Ah, non. Mouba Fokoni, comme ma bonne famille Brebrela. Donc, moi, je ne vais pas venir ici. Moi, j'ai dit aux jeunes, mais nous, si vous êtes là, au lieu de vous asseoir dans les cafés, là, allez-y travailler. Ça, c'est insulte, ça. Ou t'es insulté. Oh, l'armée malienne qui se tape la poitrine, qu'on fangabe ou là, on est fangabe ou là, ou kata nord là, ça c'est insulte. Malo, aouta, hankri soukjumama aoula. Vous avez quel genre d'esprit pour réfléchir? Mouba faou nyan, au lieu de prendre le pouvoir là,
organiser des élections et foutre le camp, de prendre le pouvoir, s'éterniser là-bas. Mais si vous dites que vous avez pris le pouvoir pour aller, pour défendre les Maliens, Aoussignime Bamako Mouna, Tombouctou est dans les mains des djihadistes, Gao est dans les mains des djihadistes, Kidal dans les mains des djihadistes. Ne vous dites pas, vous êtes fauché. Vous êtes mafou, vous êtes un peu de temps. Vous êtes un peu de temps. Mais ce qui reste clair, les putschs, nous devons mettre fin à ces putschs sur le continent. Les gens sont fatigués. On ne peut pas continuer dans ces bêtises. Vous voulez qu'on continue dans ces bêtises? Hein? Arrivé à un moment donné, Aouka en Kirisoro. Néo le faut Aouyane. Même si vous n'avez pas été à l'école, aujourd'hui vous avez Facebook. Vous avez Facebook aujourd'hui là. Il suffit de taper sur YouTube. Il suffit de taper sur Google. C'est des gens qui profitent avec ces gens. Le développement qu'on devait faire pour vous aujourd'hui là, ils prennent cet argent pour faire de la propagande. Ils font de la propagande et vous tombez dans le piège. Non, mais c'est vraiment dommage, quoi. Non. Toi qui me dis de parler des narcos, de parler de Mamadi, de laisser les autres là. Il faut qu'on parle d'eux. Ils sont tous pareils. Les putschistes sont tous pareils. Si tu ne veux pas écouter, tu pars. Voilà. Vous voyez la société aujourd'hui. Ils sont en train d'encourager les gens. Coup d'état tel ici, coup d'état tel ici. Nous aussi là. Et on peut parler comme eux. On va faire nos vidéos aussi. Et les gens vont écouter. C'est très simple. Ce que nous nous disons et ce que racontent ces gueulards là. Et vous allez voir les résultats. Aujourd'hui, ce n'est pas eux qui ont peur de nous. C'est panafricaniste là. Ce n'est pas nos vidéos qu'eux ils mettent qu'on est payé. On ne vient pas insulter. On leur dit quelqu'un qui a faim n'est pas un homme libre. On n'insulte pas. De vous mettre au travail, c'est ce que nous nous disons. Eux, ils parlent des armes. Ah, Marfa, merci Russie, blé de Russie, out et malo. Si vous avez honte vraiment, vous n'allez pas le faire. Donc, la famille, comme je vous ai dit, n'écoutez plus ces idiots qui viennent s'asseoir. Kakem manamana kanfoye, ou tenia. Hein? Mouro bese ka manamana mouro mouna mouna. Manamana mouro mouna. Regardez, des gens comme ça là. Écoutez ça là. Regardez là, urgent. L'armée la plus puissante au monde fait de la part des Global Fire vient de tomber aujourd'hui, beaucoup de surprises et beaucoup de rebondissements. Oui, beaucoup de surprises et beaucoup de rebondissements. Ah oui, il y a quand même beaucoup de rebondissements. Ah oui, il y a quand même beaucoup de rebondissements. Ah oui, journalistes les venus. Ah oui, chercheurs nous les. C'est ceux-là qui font des recherches pour vous. Beaucoup de rebondissements. Mali, la première puissance militaire en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire des idiots comme ça s'asseyent, racontent des blabla et la population, ils prennent ça à argent comptant. Ils sont assis sur ça, sur le faux. Marfa Kissa Mbobrosé Nabana, avec elle, avec Sane, Owari Bemini. On ne réfléchit même pas à ce genre de choses. Mais Mounou, Ouboubou Sigikafo, Odianafana, nous, Mafo, Côte d'Ivoire, Aéroport, à Frela, Côte d'Ivoire, Palais, à Louenile. Des conneries comme ça. Mais au Bera, Ivoirien, eux, ils sont en train de bien vivre. Ou l'ouba kakao kaout, djianateke.
Non, c'est des gens qui font des vidéos aujourd'hui, vous savez, c'est un peuple qui n'est pas éduqué. Voilà. Donc, ils viennent s'asseoir avec des images pour dire que le Mali est la première puissance militaire en Afrique de l'Ouest. Donc, je fais savoir aux gens, comment Mali peut être la première puissance militaire en Afrique de l'Ouest? Le Nigeria qui est la première puissance en Afrique, la première puissance économique en Afrique, le Nigeria. Dans l'UEMOA, la Côte d'Ivoire, premier pays. Oh, il y a le Ghana là-bas. Il y a le Sénégal de l'autre côté. Et une armée qui ne fabrique pas des munitions. Comment tu peux appeler, voilà, c'est encore la première puissance. Ils doivent acheter. Et ils sont en guerre. Ils ont des problèmes aujourd'hui. Comment tu peux appeler cette armée Kono, c'est l'armée la plus puissante? Mais comme ces gens, c'est des ridicules, ils n'ont rien à faire. Et ce que les gens veulent entendre, et c'est ce qu'ils ne font que raconter. Pourquoi tu ne supportes pas nos militaires? Cher Kamado, moi je ne supporte pas le faux. Je ne supporte pas le faux. Ces militaires qui sont là, c'est comme si demain, quelqu'un qui se lève enlève Assimil. Il est légitime aussi. Parce que de la manière Assimil est venu, quelqu'un d'autre vient l'enlever. Je ne soutiens pas ça. On a vu au Burkina, Damiba est venu. Boum, Ibrahim s'est levé, il a enlevé. On ne veut pas. Ça dit nos pays vont rester en retard. Il y a des régions du Burkina aujourd'hui où il n'y a pas d'école. Des régions du Mali où il n'y a pas d'école. Comment vous pouvez parler de développement? La stabilité, la paix, c'est la clé de tout développement. La stabilité, la paix, c'est la clé de tout développement. Échangez un peu avec les Camerounais. Ils vont vous dire. Échangez un peu avec les Camerounais. Ils vont vous dire, pourquoi nous, là, on ne se lève pas contre Paul Biya? Demandez aux Camerounais, quand vous causez, vous rencontrez les Camerounais, demandez-les, pourquoi leur présent a duré depuis longtemps? Il y a eu des conflits autour, mais ils ne se sont jamais levés. Et ce que chacun veut faire aujourd'hui, tu le fais. Tu veux cultiver, tu cultives. Tu veux sortir, tu sors. Ça, c'est encore 10 000 fois mieux que des bandits qui se lèvent avec des slogans arrogants pour dire « Abat, abat !» Donc, vous allez dire que vos pays là qui ont connu combien de coups d'État, et le Cameroun qui n'a connu qu'un président, leur vie est 10 000 fois. Ils ont organisé tout chez eux. Et 10 000 fois mieux que ces pays putschistes. Donc, quand on vous dit que tout développement d'abord passe par la stabilité, la paix. Ce n'est pas ces conflits bidons-là qui vont développer le Mali. L'action de ces putschistes-là, vous savez qu'ils n'ont rien dans la tête, qui vont développer ces pays. On me comment le faut, ah, matin, midi, soir. Vous ne comprenez pas. On doit être souverain. Toi, tu es souverain, ton ventre-là, tu n'as rien dedans. Comment il est là? Comment il est là? Toi, tu es souverain. Ce que tu vas manger demain, tu n'as pas. Toi, tu es souverain. Toi, tu es souverain. Ce que tu vas manger demain, voilà, atikono. Atikono, kono. Ishirime. Imi kono sere ki la kasuno. Voilà, imorochite oke. Iyere. Ne ouri ka bareke. Ka kodoke iyere nye. Voilà, ite shiki kongo la. Quand vous êtes puissant, la première armée. Donc, allez-y, allez-y au Niger. Vous allez comprendre que les autres là, une armée là, c'est les moyens, c'est les équipements. Vous voyez la Russie qui achète des sous-marins à la France. Votre Russie là. La Russie achète des sous-marins à la France. Quand vous venez vous asseoir, raconter des salades. Oh, première puissance, Mali. Ali, misérie, misérie. Aiguille, ou t'es chez Kadine. Malika économie a Johnny le Bellerimna. Moro be Troyan Fembela. Aouba ou Shigi. Dabayala. Comme Mali be Sekana. Et Sereyao. États-Unis. Kouba soutenir. Union européenne. Kouba financier. Francie. Kouba financier. Amérique. Kouba financier. Aouba ou Shigi. Dabayala. Aouba ou Tashigi. Dabayala. Hein? Voilà. Nino, c'est ce que vous dites. Que l'esclavage, qu'est-ce que tu appelles l'esclavage?
L'esclavage, là, va apprendre l'histoire du continent. C'était quoi l'esclavage? Au lieu de vous asseoir en train de gueuler ce que nos grands-parents ont connu. C'est ça, vous utilisez des termes dont vous ne connaissez même pas les définitions. Nos grands-parents, là, allez-y au Sénégal. Allez-y au Sénégal, ils vont vous montrer où on embarquait nos grands-parents. Il y a des touristes qui quittent ici, qui vont au Sénégal pour aller voir. Au lieu de vous flanquer, au lieu de dire merci à vos grands-parents qui ont mené cette lutte, qui ont mené cette lutte pour libérer le continent. Et le travail qui doit être fait, c'est à nous d'apprendre, parce qu'il n'y avait même pas d'école sur le continent. Il n'y avait rien. On sortait pour aller dans les pays européens pour apprendre. Dans les pays russes. Maintenant, sur le continent, il y a des écoles. Mais la jeunesse, on ne veut pas apprendre. On peut, quelqu'un qui arrive en sixième année, il abandonne les écoles. Arrivé quelque part, je vais jouer au ballon, ou bien je vais devenir ça. On abandonne, on n'encourage pas la formation. C'est pourquoi nous sommes en retard. Ça n'a rien à voir avec les autres. Oufou l'avait dit, le jour que nous allons nous réveiller, être capable de transformer, je dis bien, être capable de transformer nos matières premières, c'est là le vrai combat va commencer avec ces gens-là. Mais vous n'aimez pas la vérité. Et ce qui a été dit, vous ne voulez pas respecter la règle de jeu. Vous, vous voulez danser. Vous voulez danser avant la musique. On doit chasser. Vous allez vous former comment? Vous n'avez pas de scientifique. Rien. C'est encore avec ces gens-là, vous allez apprendre. C'est mieux de dire, nous ne sommes pas d'accord avec votre politique. Dans la paix. Dans le respect absolu. Comme vos chefs d'État l'ont fait. Mais ni Mouroma Karankeo, avant il a coco bébé Fangale. Mouroma Karanke, a coco bébé Fangale. Mais Mouroma Karanke, Ali Slamaya Yere. Al Aumo Karanke, mais au moins, Aye Mandrasa do Keke. Kouslama, Karaka Savari. Mouroma Savarinbe, Oleba Tonobo. Savari. Tonon Lebe Savarilla. Mais Aouba Take Fangale, Koufangaba Aoula. Ata Savaria. Aouta Savari. Fanga, orgueil, faut y t'aller, faut dimissa. Mais comme, avec Fou, il y en a autant. Et comme vous dites que vos gens là, ils sont forts, et la CDAO, pour remettre Bassoum à sa place, cela y va dans leur survie. Donc, au coco, tchèle, baouille. CDAO, Massaou Fanakoko, Tchelebaoui. Aou Koko, vous avez fait association des pays poutistes. Foyte Aouboro. Vous saviez déjà, les pays qui ont décidé là. Aou Kassete Oulounye. Aou Té fait Djerika Bon, Niger. Mais Bazoum doit retourner à sa place. Vous venez vous asseoir qu'aux révolutions, Vous, depuis 60 ans, des gamins qui se flanquent, ils ne vont même pas à l'école, ils ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. Même l'ancien président, aura premier président, tu vas demander au Malo. Il veut la constitution, il veut la fauche, il veut la révolution. Il te fauche, il veut l'histoire. Leur propre histoire, ils ne savent même pas. Il y a eu combien de coups d'état dans leur pays? Au Malo, des enfants TikTok, des enfants Ataya, des enfants T. Bouchigi, Facebook, manamana kamfo. Kishigi baneni ni faneni. Hein? Toi qui dis que. Bon, je ne vais même pas dire le thème sur Facebook ici. Voilà. Donc, la famille, une fois encore, pour dire kafo mro ou nyene, aouma karanke. Mais mro mena ilde yere nyakoro. Et il va fle avec ma mfo. Na avec ma brebre le fo. Même si tu n'as pas étudié là, celui qui vient aujourd'hui, qui se dit qu'il est journaliste, qu'on a le fond, quand il y a une vidéo, quelqu'un me roba le flair. Avec comment il faut, il faudra comment analyser. Armée, niameko, armée, économie, jamanaka économie. Même si tu ne fabriques pas, il sait qu'à ça. Mali, il sait qu'à du moins ça. Aou yere kalonko, économie, Mali, économie, bi. Problème, soukoube, dobala. Au kaloko baraya sou bébé jamana kono. On veut ça qu'à armée puissante. Au kaolo. Au tao tchigien fait. Une armée, c'est avec l'économie. Mon fond oube sani. Mon matière oube sani. Mon avion oube sani. Mon fakisa oube sani. Armement bébé sani.
aute abara shirika audiana kuma ni manamana kanfo mali betimi jamana tawla nyamka ou bien burkina armement aute fo mo nyana hein. Donc ils ont même, vous-même vous avez, ils ont accusé les anciens présidents ici qu'ils sont impuissants et on ne les donne pas les armes, on ne fait rien, on ne les apporte pas vraiment les moyens. C'est ce qu'on a dit au Burkina, c'est ce qu'on a dit au Mali. Mais bi, les mêmes personnes ne veulent pas qu'on parle de ça. Pourtant ils ont dit ici que non, Damimba, il était incapable. L'autre, Mac Kabore, était incapable de donner les armes, c'est rentré, c'est sorti. Mac Kabore est parti, Damimba est parti, Ibrahim est venu. Les discours maintenant, on ferme la bouche de tout le monde. Personne ne doit critiquer. Au Burkina et au Mali, pareil. Mourochite Kouma, Nekoumala, et Faden Djougou. Allô, Malien Tetaouya. On dirait que les autres là, ce ne sont pas des Maliens. Ils n'ont pas le droit de dire un mot. Hein? Non, ne va pas faire un mot ou kakaka à Niaye quoi. Donc, il faut que les gens... ma soeur, Ndiaye, vous savez, ces gens-là, il faut se débrouiller un peu en bambara pour que les gens comprennent. Ce sont des gens, beaucoup n'ont pas été à l'école. Il est très facile de les manipuler. C'est pourquoi j'ai joué la vidéo de ces ignorants-là qui les font croire que le Mali est devenu la première puissance militaire de l'Afrique de l'Ouest. Mais je l'ai dit, eux, ils ont quoi dans leur budget? Fin du monde au bureau. Et ma foi, qu'on a qu'aux premières puissances. Donc, ceux qui viennent les tromper, là, il faut sortir souvent, parler dans la langue qu'ils comprennent. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Sinon, moi, mes vidéos... Donc, la famille, nous, Yamé, Okunko, en tout cas, CDAO a déjà donné... sa parole avec l'accord de l'Union africaine ou pas, ils vont agir. Cela, il va pour le survie de ces pays-là. Parce que si on laisse passer le coup d'État, là, c'est fini. Vous allez entendre un mois, deux mois. Tous les militaires vont se sentir légitimes parce qu'ils vont se dire qu'ils sont forts. Ils vont enlever les civils à la tête de nos pays. Les militaires vont se dire « Ah !» Donc, comme Fouetteboa là, nous aussi là, qui ne veut pas être président? Qui ne veut pas être président? Vous allez voir nos pays aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec la France, qui n'ont rien à voir avec certaines choses. Maintenant, ça va être les pays des brigands. Et c'est ça, il faut mettre fin à ça. Bon, Chili, on vous manipule, vous êtes assis comme ça. Au cas de Diamanati, que fauche les cas autonomes. Tant qu'on ne met pas fin à ça, c'est le chaos total. Demandez, les pays qui étaient en guerre, les pays qui étaient en guerre, demandez les Libériens. Aujourd'hui, là, les Libériens ne veulent jamais entendre parler de la guerre. Demandez les Ivoiriens. Demandez les Ivoiriens s'ils veulent entendre la guerre. Ils ne veulent jamais entendre parler de la guerre. Ils ne veulent jamais entendre parler de la guerre. Demandez ces pays-là. Après, c'est les gens qui viennent pour les civils. Voici un... Mais toi, tu es vraiment pathétique. Alpha Kabako, les civils. Ceux qui ont développé, là, ceux qui sont en train de développer la Côte d'Ivoire, là, c'est les civils. Celui qui est venu donner le courant, les barrages à la Guinée, là, ce n'est pas un militaire. Là, ça n'a compté 26 ans. 26 ans au pouvoir. Un barrage, il n'a pas donné. Celui qui a donné 3 barrages, Kaleta, Swapeti, Almaria, c'est le président Alpha Condé. L'interconnexion, c'est le président Alpha Condé. Oh, bah, au Chili, avec des discours bidons, que les civils sont comme ça. Encourager des militaires, ceux qui sont censés. Hein? Donc, essayez de comprendre. Nous n'allons pas arrêter, hein? Les agités, là, les jeunes qui se lèvent. Oh, non, 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 à bas la France, nanani, nanana. Nous, d'abord, on doit dire à nos frères de se lever. Au lieu de parler de l'autre d'abord, parle d'abord ce qui est dans ta maison. Parle d'abord. Donc, Ouma, si, il y a barrage au Mali, mais le Mali, là,
aga courant me bomini son ba aga électricité afangere me bomini Côte d'Ivoire l'électricité du Niger ça vient d'où du Nigeria donc si les putschistes là eux ou Maseka Koke ko ils vont mettre des centrales hein si on parle vous êtes là à insulter les gens que les Sénégalais ils ont vendu là-bas mais les Sénégalais ils sont fiers aujourd'hui de leur pays ils sont fiers aujourd'hui de leur pays Malien numé kokan wallahi ulu chamane beyan kirimay les Maliens qui sortent là eux là ils jouent pas eux ils ne jouent pas nanou comme la kono que toi tu es un vendu de la France moi je vais pas en France et je suis contre quelqu'un qui a été entretenu par ces gens. Mamadi Doumbouya de la Guinée. Le bandit Mamadi Doumbouya. Mais vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas la vérité. Hein? Vous n'aimez pas la vérité. Tout ce que vous aimez seulement. C'est-à-dire, je sais que on vous a raconté l'histoire de l'Afrique, comment on a été colonisé, comment ils ont pillé nos richesses. Vous avez pris ça en haine, au lieu de transformer ça en autre chose, en courage, pour dire, aujourd'hui, comme on ne nous enchaîne plus, on ne nous fait pas ce que nos grands-parents ont subi, nous devons nous lever, apprendre comme les autres. Vous avez des écoles aujourd'hui, mais la jeunesse africaine, voici des choses qui retarde le développement en Afrique, on ne parle pas, mais on parle des autres. Les autres viennent pour dire, ils veulent acheter nos matières premières. C'est tout le problème. Si nous ne connaissons même pas la valeur de nos matières premières, nous ne pouvons pas transformer cette matière première. On va parler de quoi? On va s'imposer comment? On n'a pas d'armes, on n'est pas puissant. Mais on est libre d'apprendre. On est libre de travailler nos terres. On ne veut pas faire ça. On est assis. Critique inutile. On met le foie au nyané. Pardonnez. Jeunesse africaine, réveillez-vous. Réveillez-vous. Allez-y dans les écoles si on apprend. On n'apprend pas. Ceux qui ont étudié au temps colonial, eux-mêmes, ils ont bien appris que nous. C'est-à-dire, quand ceci te parle le français, tu es d'accord. Mais nous, notre génération, on n'a pas appris. Hein? On est assis, on parle comme si on connaissait tout et pourtant on n'a rien dans la tête. Rien dans la tête. Qu'est-ce qu'on peut transformer chez nous? Au moins que les petits chinois sont assis dans leur maison en train de transformer, faire des montres pour nous. Ça c'est la France. Mais on le fait où il y en a. Tant qu'on ne se réveille pas, on ne se met pas au travail. Si le mouvement était un mouvement d'ensemble, pour réveiller des consciences, pour dire il est temps, l'Afrique doit se mettre au travail. Les bêtises, les conneries, mettre de côté. Vous, tous ces conneries que vous êtes en train de raconter, à bas, vous n'allez même pas avoir le temps de le dire. Mais avec foi où il y en a, Aoutanyayo, les pays vont toujours coopérer. Les pays vont toujours coopérer. L'Arabie Saoudite et les États-Unis. L'Arabie Saoudite, il y a des bases militaires américaines là-bas. Mais où l'outa fakoulou colonise nous. L'Arabie Saoudite, la bebeta makayoram nakata sarike. Djenewe ou l'outa sanze sakatimi bekoka. C'est les États-Unis qui achètent leur carburant de plus. Ils ont leur argent ici, dans les banques ici. Ou l'outa ou take du soubayaye. Parce que ou kalon, Amérique le bena waridu ou l'outa. C'est pas leur pays voisin. Ici, c'est les premiers consommateurs de carburant. Ouluma ou taque du soubayaye. Kafoko slama lebe ouye. Kodo ouye chrétienne yo. Ouluma ou fo. Nishini. Ewa le moro ouye sien. Oube ouye. Oube ou taque religion kere yé fanako. Ça dit, quand ils finissent un problème, ils vont créer encore d'autres problèmes. Ah non, anou ni moro nounou. Antaka, amanga kako kakirin. Ni konfi kashia. Ni hankri do kashia. Kombala. C'est ça. C'est le désordre total. Et c'est ce désordre-là que nous essayons de mettre un peu d'ordre. Car Hankiri, ka fomro, nyene, aya Hankiri laka.
Ole ama fo nyana na uma bareke ka uri ka ushi. Awe bo amroma konon ko vous êtes en train d'en vouloir les gens que non, c'est eux qui retardent votre développement. Non, c'est jusqu'à présent vous êtes assis. Jusqu'à présent vous êtes assis dans les cafés en train de boire du thé. Vous êtes assis. Konon ko konwe mrola. Personne ne viendra de la Russie, de la France pour venir cultiver la terre pour vous. Faut aulire ka seneke. C'est vous qui devez travailler la terre. Demain, vous voulez fabriquer des montres. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir fabriquer une montre? Faut être en recherche. Faut être en chinois. Faut être en tout fait. Il faut voir nos frères qui viennent en Occident. Quand ils vont à l'école, ils arrivent à fabriquer quelque chose, ils rentrent chez eux. Nous, les Chayala, s'il y a beaucoup de ces jeunes ingénieurs, voilà, vous allez voir l'Afrique aujourd'hui. Même Rote Karanke. On abandonne les études. Ceux qui doivent venir en Occident, Kakodo Nyanine, Kaburika de Djamana Kono, Ote, Abebena, Wari, la course aux richesses. Personne n'est patient. La nouvelle génération, nos enfants, nos petits frères aujourd'hui, Uluka Kolon, Kuka Kolon ennuyé. Parce que quand ils voient les réseaux sociaux, les médias, Femme Amérique, ils sont excités. Fouetara. Oumar, si toi tu es cultivateur, tu as combien? Toi tu peux nourrir d'abord ton village. Tu es seul. Tu fais une agriculture de subsistance. Il faut développer ton agriculture. Tu as un bon départ, je t'encourage. Quand tu dis que tu es agriculteur, chapeau à toi. Mais que les autorités mettent des moyens à ta disposition. Eh bien, c'est ta qui brille, qui cobrille. Mousso bille bourreau, mousso fla. Mousso ça va, n'a pas le village là. Mais si les autorités là, les armes qu'ils prennent en Russie, des bêtises comme ça, si on vous donnait des tracteurs, et tracteurs crémés et bourreaux, au lieu que toi tu fais combien de mètres carrés, et bien hectare créni, hectare flaqué, tu les crées avec la machine, au lieu de diamana t'as gagné fait. Ni et me boro kiren boro fla le soro. Et ka boro be taga boro bisaba boro biloro. O lebe kongo kere. Ni domine fem bola jamana kono. Bebe la fia. O lebe fo au nyene. O ni kere te kere nye. Mais au yere ka situation fleke. Mouro shika fotite oe. Au yere courage ta ouna. Wagner mena au fe. Si c'était des agronomes. Kana efe. E ka foro kono malila. Agronomes. Gouvernement, on les envoie dans vos villages pour vous dire voici où faut y aller Côte d'Ivoire. Mais nous ne pouvons pas faire autant y aller. On va qu'elle n'est ni fin ou l'élevage aussi pareil. Nos états désespèrent qui viennent qu'à au former la nourriture que vous devez donner à vos bétail. Ou va au demain, au kaka, au ka engrais de la nyamka. Tu vas voir tout de suite. Et la production avait rien fait. Mais vous n'allez pas voir les Kemi Seba, Kao Kumafo. En Manchigi, on insulte seulement, on insulte, mais on ne met pas de programme. Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme. Vous avez tous vu le jeune malien, Ko Adama. Je crois que son projet, ça s'est gâté. Mais vous avez vu le départ du jeune. Si le jeune avait un bon suivi, si le jeune avait un bon suivi, Adama Nyorosi Moura, Adama Nyorosi Kemé, Mali, Aoutouma et Sissé, Mali ou ka production de film, vous allez, Aoutouma résultat. Oni ki sigi ka tou nene, ou te kere, ou va ke Sissé, Aoué Malomi importé, Dobe Boala, production locale. Mali Mounou Yerebe Malosene, ou beke wari tigi yefana. Donc, il y a le gouvernement qui a été chaman, tiens, mais les problèmes que vous aviez, non, vous ne pensez pas à ça. Vous ne pensez pas à ça.
Mamadou Saliou, vous savez, le Mali, c'est un pays bambara. Il faut que je mélange en bambara. Vous savez que le Burkina aussi, pareil, il y a les Djoula là-bas aussi. Donc, si vous voyez que je mélange aussi, et chez nous, en Guinée, les Malinkés de là-bas, ils comprennent ce que je dis. Donc, laissez-moi souvent mélanger. Hein? Vous voyez à la télé malienne, c'est en bambara, ils parlent. Vous voyez les blogueurs maliens, c'est pas en français qu'ils parlent, c'est en bambara. Donc, quand tu t'adresses, quand vous vous adressez à ces gens-là, c'est de te forcer à parler la langue locale. Si tu vas parler en français, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Donc, en même fois, Aouniane, donc c'est un peu ça, quoi. Donc, je vais vous laisser. Merci, la famille. Et le combat continue. Alaka tient des mains. Alaka tient des mains. On ne veut pas que l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, 4 coups d'État. Le discours qu'ils sont en train de tenir, ça ne tient pas. Qu'on est en train de lutter contre le néocolonialisme, l'indépendance de l'Afrique. Le combat là a été déjà mené. Et c'est pourquoi je vous ai fait écouter la vidéo de Félix Houphouët-Boigny. Il avait prédit cela, qu'il y aura la révolte des dominés. Mais ce que les gens n'ont pas compris dans la vidéo de Félix Houphouët-Boigny, je ne suis pas contre vos révoltes. Quand est-ce qu'on doit se révolter? C'est quand nous serons en mesure de transformer nos matières premières. Quand nous serons en mesure de transformer nos matières premières, c'est là que nous devons nous révolter. Mais tu te révoltes, tu n'as rien dans la tête. Tu n'as rien appris. Tu ne peux rien transformer. La révolte, ça sert à quoi? C'est ce que je veux que vous compreniez. C'est deux étapes. Apprenons. Apprenons d'abord et transformons. Et la révolte maintenant, les prix de nos matières premières, nous saurons quoi faire. Mais on explique qu'on fin kachia, ou te mro, ou kuma kanyaye, ah mais kuma mfo mro, ou nyene, ils veulent pas comprendre. Ou te ka fokame francifé, ou te ka fokame tou souteni, en a diamana ou compte. Mais ah mais kuma mfo, fabe do au toro la. Nan ma karanke, yane au ba ouri ka foko, oui, ante au fe, ou ba soro, au ka kodolo. Aou bese ka, aou ka matière première ka transformer aou fe. Aou ye kranke. Aou bese ka kou fabrike, usine ba aou fe. Donc, c'est ce que je veux que vous compreniez. Nous n'allons pas nous décourager, nous n'allons pas nous énerver, même si vous voulez vous insulter, parce que vous venez avec des idées arrêtées. Le plus important, réfléchissez à ce que nous vous disons. Voilà. Ne suivons pas ces militaires, parce que aucun coup... Coup d'État n'a développé un pays. Jamais. Coup d'État, m'a dit, il faut développer. La Guinée, on a connu un militaire au pouvoir, 26 ans. Aucun changement. So, Konate Enza, merci à vous. Damsi Karamoko, merci à vous. Merci à Wahab Zenab. Ça fait 2 jours. Voilà. Mohamed Kamara, merci à vous. Mohamed Ali Diallo, merci. Merci à tout le monde. Kone Ousmane, merci à vous. Bazoumana Meite, merci à vous. Merci à Bourama Tangadjou, merci à vous. Voilà, donc j'espère que nos frères, ils vont s'asseoir et réfléchir là-dessus. Siaka Kone, merci. Non, Malcolm X, le combat ne fait que commencer. Voilà. Parce que vous voyez des gens aujourd'hui qui se disent qu'ils sont panafricanistes. Même ABCD, Ouma Fouchlon, même la devise de leur pays, Wallahi Ouma Lo. Mais bi Facebook, Oubinou Shigi, parce que les gens les écoutent dans leur langue. Oubi Shigi, Kakuma Befo, Kamrou, Hankri, changer. Kono, Angatos Rasi Ouko, Koul Lebenake. Mais Béalo, scientifique, cela sera si nous n'y programme tout pour fouille ou tu sais qu'à fausse les dit au cas de manam. ATT, aïe fangata, aïe dit civilement. Mais Béalo, civil minala, ATT, aïe baremke. Au bolaï, ATT nala. Aouma, ATT yerek ben. Aou civil nounouma, ATT ben. Eh, mro, aouka, un crisoro. Donc,
Amadou Touré, merci. Merci à vous. Meite Enzi Ferrari, merci à vous. Donc, merci à Mohamed Keïta. Bonne soirée à tout le monde.